Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 13e épisode d'Ultra Pixelmon. On est en compagnie de Pookie et Lorden, bonjour. Yo! Hey! Et aujourd'hui, on se retrouve pour un concept qu'un abonné m'a proposé en commentaire, tout simplement. Donc Merci à le toi. voilà, merci à toi, mais je ne sais plus de ton pseudo par contre. Mais en gros, le concept était Oh! de faire des œufs random avec des métamorphes et du coup créer la meilleure team possible. Donc, on a chacun 10 œufs de métamorphes. L'objectif va être de les faire éclore du coup. Et d'avoir la meilleure équipe possible à la fin. Et on va faire un petit combat à la fin tous les trois. Donc, Exactement. je vous laisse. Sachez qu'il n'y a d'ailleurs Oui. aucune restriction. On peut jouer très. On peut Alors. jouer stratégie. Ah, on peut jouer comme on le souhaite. Après, normalement, les IVS sont pas fous. C'est vraiment des œufs au pif. Donc voilà, niveau IVS, on va pas être sur des trucs extrêmement quali. Hein. Faut se le dire. Donc, je pense qu'on va chacun faire éclore nos petits œufs dans Il y notre aura coin. peut-être un bip sur ce que je vais dire. T'as Ah, fini ok. ta Qu'est-ce que tu veux montagne? dire? Bah, pourquoi oui? Non? Pourquoi? Ok, bah je sais pas, bah peut-être que c'est pas sorti au moment de cet épisode-là. Non, mais elle est pas finie dans tout. Dans tout ça, elle sera pas finie quand j'aurai sorti cet épisode, de toute façon. Et elle sera pas Ok. finie avant pas mal de temps, je pense. Du coup, je ne la montre pas. Non, je m'en fous, hein, je peux la montrer, il la voit dans mes épisodes tout le temps, donc... Ok, sympa. C'est pour faire mes œufs, ce sera sympa de monter sur ta montagne et de redescendre As you dedans. want, as you want. Bon. Mais du De coup, toute je façon, on pense va que faire perso, je éclore vais faire les une œufs là. petite coupure, bah, sinon c'est un peu long pour les Ouais, moi éclosions. pareil. Je vais continuer à filmer et je vous mettrai seulement personnellement les moments de quand ça éclot. On Ah, voit. quand même. Allez. Voilà. Ok, bon, alors j'ai tout fait éclore. Donc, on a. Alors, il y en a qui sont bien, il y en a d'autres moins. On a le droit à 6 Pokémon. Je propose qu'on prenne Chespin, Combusken, Exadrill, Meganium, je suis pas trop si on le prend. Est-ce qu'il a des bonnes attaques? Et lui, est-ce qu'il a des bonnes attaques? Je sais pas lequel c'est le mieux. Déjà, on va prendre lui aussi, sûr. Ce qui type à fou, ni torrent femelle, ça pourrait être. Enfin, je suis pas fan. J'ai déjà un type feu, mais lui il peut être type spectre si je fais évoluer cette nuit, donc ça peut être intéressant. Et je vais voir après, je pense que je vais prendre Meganium. Ça peut être intéressant de prendre Meganium ou Nidoran, un des deux. Comme ça, et du coup je vais aller pex tranquillou. Alors je vais juste slice lui en deux. Où est-ce que. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, faut que je récupère ça. Et je vais aller pex tranquillement dans la tour. Hop, voilà. Merde. Ich, voilà. On va ranger ça. On va ranger ça. On reprend ça. On reprend Cubone. J'ai des chances. Parfait. On va lâcher un de chance sur Galifeu. Parce qu'il me faudrait Boutefeu. Si j'ai Boutefeu. Et je mettrai la méga à Galifeu. Ça sera plutôt pas mal. Donc je vais aller pex tranquillement, je pense. Ça reste un petit peu long. On va pex tranquillement. Essayer d'apprendre des attaques plutôt pas mal. Et puis on se retrouve après. Ok, re, donc ma team est prête. J'ai donc. Lui, j'ai décidé de le faire évoluer en type spectre parce que j'ai déjà un type sol avec, avec Exadrill. Lui qui a marteau bois, marteau poing et tout, qui est plutôt pas mal, qui est bon en défense. Lui, du coup, qui va bah, type sol. Hein. J'ai mis le Danslam aussi, éboulement, Danslam, etc. Blaziken, méga évolution, bien sûr, avec comme celui que j'avais pour le tournoi au final. Et Mandibuzz, type ténèbres, vol, plutôt pas mal. Donc, j'aimerais bien essayer de trouver peut-être vite fait un maître des capacités. On va vite fait voir ce qu'ils vendent, eux. Même si on n'a pas, eux, on n'a pas le droit de prendre les capacités de toute façon. Je regarde juste ce qu'ils vendent, s'il y a des trucs intéressants. Non, il n'y a rien d'intéressant de toute façon. Donc, ouais, j'aimerais bien trouver peut-être un maître des capacités, histoire de leur apprendre des bonnes capacités. On va regarder ça. Qui a maître Kappa, please. Donc. Est-ce qu'il y a des maîtres capacités par là? Je n'ai point l'impression. Je pense que je vais faire le tour un peu de tout le monde, voir un petit peu s'il y en a qui ont des maîtres Kappa. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un qui l'ait. Qu'il y en ait un. Qui en est un. Alors, je pense qu'on va passer par là. On va voir. On va passer par le spawn. On va passer un peu chez tout le monde. Raph on n'a pas, Grievous on n'a pas. Je vais aller voir chez Valence vu qu'il est dans la zone là-bas. Hop, il y en aura peut-être un. Est-ce qu'il y aurait pas là un petit. Non, il y a un NPC mais c'en est pas un. Encore un NPC mais c'est pas ce que je sais. Ouais, non, il n'y a pas de. Il y en a pas ici. Ok. Ok. Bon, on va retourner.
On va voir vite fait au spawn quand même. Il y en aura sûrement un au spawn, je pense. Généralement, il y en a au spawn. Si on explore un peu, il y a peut-être moyen d'en trouver un. Alors. Alors, mon petit maître des capacités, s'il te plaît. Où es-tu? J'ai besoin de toi. Alors, qu'est-ce qu'il fait, l'Orden, là? Il est en bas dans sa base, là. Je l'ai vu, hein, petit Orden, là. Il fait sa petite technique secrète, là. Alors, où sont les maîtres des capacités? S'il vous plaît, il y a un truc, là, mais c'est pas du tout un maître des capacités. C'est un mec qui se promène... pas l'air d'avoir de mettre des capacités. Au pire, je fais une petite coupure le temps de chercher à mettre des capas et puis on se retrouvera après. Ok, bon, du coup, on a pas trouvé de mettre des capas, c'est pas grave. Je vais quand même vous montrer vite fait mes moves. Au niveau, du coup, au satueur, je lui ai mis ça comme talent. Enfin, j'ai trouvé ça comme talent, donc c'est plutôt cool. Je lui ai mis mania, osmerang, trépidement, boutefeu. Pour Chest Knight, il a marteau point, marteau bois, roulade, morsure. J'aurais bien aimé utiliser. Enfin, prendre pico machin, pico défense là, mais tant pis. Et il a le casque brut. Sachant que je connais pas son talent, mais voilà. Lui, j'ai mis dans slam, séisme, éboulement et tempête de sable. Il lancera une tempête de sable parce que du coup, c'est lequel? Il y en a un qui a besoin d'une tempête de sable pour être efficace. Je crois que c'est lui d'ailleurs. Oui, voilà. Lui avec tempête de sable, il y a une meilleure attaque. Donc je lancerai une tempête de sable directement avec lui. Lui, bah, jet de sable, c'était pas voulu non plus. Mais c'est pas grave, j'ai rapace, nitro charge et strato percute. Il a pas de boute feu, malheureusement. Lui, rapace, lame d'air, vibroscure et picor. Voilà. Bon, on va tenter de faire le tournoi avec ça et puis on verra. Du coup, on se retrouve avec les autres. Ok, du coup, 1v1 contre Lorden. T'es prêt, Lorden? Pour notre team full métamorph. Ich, non, viens là. Vas-y, jette-le. Yes, tombe, je suis tombé. Oh bah je peux pas remonter, yes, trop bien. Ouais, bah yes. Attends, on va utiliser la fameuse stratégie de l'eau, hein. Vas-y, okay. Lance-le, je le lance juste après. T'es prêt? C'est parti. Ouais. Nice. Ok, règle du c'est combat. Bon. 5 Pokémon level 50, on nivelle, on soigne. Nivelé et soigné. Interdiction de se d'endormir plus d'un Pokémon en face. Ok. Ok, c'est parti. Quel sera ton premier Pokémon? Le stress est à son comble. Pourquoi lui? Attends, faut que je mette. Je règle la caméra. Yes, voilà. Moi aussi. Alors. Infâme. Pire Pokémon au monde. Ah yes, c'est toxique. On met les pics toxiques. Ah, quand on est toxique, on y est jusqu'au bout. Let's go. Score. Ah yes, le toxique, un plaisir aussi ça. Bon, au moins je te le tue. Dur. Au moins je le tue. Blindé pic qui est là. Très bien. C'est un pyroli qui tombe. Y'a pas de soucis. Ah, mais il était passé, lui, je crois. Voilà. Il était passé, en effet. Coup dur, Alex, il fait un move. Vous va chier. Bizarre. Au satueur qui. Hop, qui prend le poison. Oui, c'est complexe pour moi, là. Hop, il a la trouille. Yes. Ah, yes. On va faire un petit morsure. Je peux plus utiliser ma bite. Bon, c'est pas grave. Ah, what? Tu m'as switch? Carton rouge. Carton rouge, ouais. Ok. Bon, ça fait un peu chier, mais... On va reprendre lui. Yes, trop bien. ça risque d'être complexe comme combat. Heureusement! Il est là! J'étais sûr. Le méga bras, c'est Gali qui se prend le poison, malheureusement. Ah, vraiment, t'as eu beaucoup de... De chance, hein. T'es tombé sur un poussifeu ou un bras d'égalité? La sous-évolution de bras d'égalité. Galifeu. Bon. Ça le méga bras d'égalité qui est là et qui va faire le taf.
Ça va être très dur parce que Bardigali est très très fort. Ah, la méga évolution de Kongourex, pas du tout. Ah là quoi là là là, le one shot de l'attaque de Subcombat de Bragg et Zegali. Ah, mais j'ai perdu 100%. Galégon. Méga Galékin, qu'est-ce que je dis, Galégon, bien sûr, oui. Aïe aïe aïe, mais par contre, le Bragg il est trop fort. Brazegali qui... Aïe aïe aïe. Quoi? Grave oui erreur. Let's go. Grave erreur du joueur français. Bah j'ai avec Nitro Charge en attaque plante. En attaque feu. Merde, il fait aucun... Oh, il a esquivé. Marteau point. Oh, du blanc des pics. Il te reste combien de Pokémon en fait? Mais pourquoi je dis c'est pas? Je sais pas. Et toi il t'en reste combien? Dis-moi ton vieux t'en reste et je te dis moi. Il me reste celui-là et un autre. Ah il me reste plus qu'un Pokémon. Et toi? Il m'en reste un. Ah. Est-ce que Votutri va faire le taf? Votutrice qui fait le taf! Votutrice! Mais en fait le Brazegali il a fait tellement la diff. Il fait le one shot. GG. Il a fait tellement la diff le Brazegali. Bon bah c'est une victoire pour Alex contre Lordon. On va attendre que Pouk Pouk Pouki arrête de capturer Manaphy et on va faire le combat contre lui. Enfin, ah bah nickel, ouais. Bah vas-y Lorden, tu vas faire le combat pouk 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 pouk. On met le GG hein, pour dire que c'est fini. Ouais bah minutes. Ouais c'est pour ça. Bah, je te laisse faire le combat contre Pouk Pouki et puis on se retrouve tout de suite après. Bon du coup on attendait la fin du combat contre bah, de Pouki et de Lorden. On va faire un... Je pense qu'on va capturer... Enfin je vais mettre une petite séquence de capture de légendaire. Comme d'habitude, c'est le petit rituel de chaque épisode donc c'est parti. Et oui, voilà, comme vous le voyez, du coup, j'ai capturé un petit Itran à la Master Ball. Il se baladait tranquillement dans le Mesa alors que je chassais, du coup, pour essayer d'avoir Solgaleo, Lunala, etc. J'ai eu un petit Itran. C'est plutôt sympa, plutôt original. J'en ai jamais vu d'autres sur le serve, je crois pas. Donc, c'est plutôt cool d'avoir ce petit Itran. Ça fait plutôt plaisir. J'espère qu'il vous plaît, en tout cas. Et... Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je give un... Je suis en train de donner des trucs à Rafo parce qu'il est en train de préparer son arène. Pixelmon de Point Chizo. Voilà, donc du coup ouais ça fait plutôt plaise, ce petit Itran, j'ai pas regardé ses IVS, on va regarder ça tout de suite, IVS1, voilà il a 78% d'IVS, plutôt propre, je pense pas utiliser dans ma team, même si c'est vrai qu'il est plutôt puissant et je pourrais l'utiliser en vrai, je pense pas, mais voilà. Bon bah du coup je vais retourner avec les autres, je vois qu'ils ont fini leur combat et on se retrouve tout de suite pour le match. Ok, et ben re, on se retrouve et c'est l'heure du combat comme Pouk Pouk Pouki, qui a perdu contre Lordon. Je me mute. Mais bah tu peux rester en vrai, hein, tu t'en fous, tu connais notre team, Lordon. Ouais, il est fou. Ouais, tu... Lordon. Ah, oui. J'avoue que je pourrais regarder. Bah, oui, c'est ce que je voulais te dire, mais tu t'es mute. Vas-y, t'es prêt, Pouk Pouk Pouki? Ouais. Allez, c'est parti. Merde. Ton Itran? Yes, le Itran, ouais. Bah je viens de le capturer en fait pendant les deux combats, là, entre les combats. C'était un petit moment de capture épique. Oh, mais non, il a pas spawn là. Pouki, Pouki, Pouki. Comment dire?
Vas-y. Et tu fais quoi là, Pouki? Mais gros, ton Pokémon il est trop loin, gros. C'est bien. Mais jette-le dessus. Avance-toi au pire. Non, toi, relance-le. Mais t'es sérieux là? Vas-y. Ton Predastery, il a décimé Pouki. Hein. Ah bah, en vrai, ton était infâme. Honnêtement. Mais, il me semble vraiment tout rapide. Je sais que ça enlève les pièges de rock. Normalement, c'est censé enlever les pics toxiques. Ça a pas marché. Ça m'a toxique le Pokémon que Alexis. Ah mais il était infâme son truc toxique. Hein. Infâme. Infernal. Mais il a eu une chance de ouf. Ah, mais j'ai vu que deux de ses Pokémon. Hein. J'ai vu que Arkedu qui est Toxapex. Je sais même pas c'est quoi cette. Ah, ouais, les autres, ils le laissaient pas. Coup de bien. Alors. J'ai même pas utilisé ma méga en plus. Ah ouais, dur. Bon, alors le one shot. Dommage parce que lui il avait comment ça s'appelle? Lame. Ouais, les lames machin là. J'ai pas pu les poser une seule fois. Oh plein d'épiques. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas trop. Yes. Oui. One shot. Et du coup Lordan il a gagné ses deux combats? Non, je perds contre Alex un Pokémon. Et tu sais que ton ossature, j'ai cru que c'était un Mewtwo Shiny. Mais t'es sérieux? Mais quand j'ai vu le sprite avec les trucs, les flammes vertes au début, j'étais pas bien. Du coup, le vainqueur c'est qui? Bah, le vainqueur ce sera celui qui gagne. Normalement, c'est entre nous deux. Mais vu que tu t'es battu en soi, bah non, on sera égalité en fait. Bah, si Alex y gagne, il a gagné. Ouais, si Alex y gagne, il a gagné. Sinon, il y a égalité. Alors. Je pense que Alex va gagner. Oh, pas sûr. Bah, j'en ai tué 3, mais on a tué qu'un. Oh, c'est drôle ça! Non, mais tu vas comprendre pourquoi je dis c'est drôle ça. Il a trouvé un truc pour mon counter. Ouah! Ouah! Double one shot! Pas du bien tout. Bien joué, Cookie. C'est pas du tout que j'ai trouvé un truc pour le counter. Franchement, je te laisse me le tuer parce que je suis sympa. Bah, je fais rien. Je fais aucun dégât. Je fais des tours rapides. Mais vu que t'es. Attends, t'es ténèbre ou c'est pas que je sais plus. Allez, fais-moi. Zéro dégâts. Oui, parce que après mes attaques étaient type eau et type feu alors. Quel enfer. Je te laisse regarder ma méga. Quel enfer. Oh, quel enfer. Merde, je me suis trompé d'attaque, t'avais de la chance. Mais j'ai pas eu le temps de Pex, moi, c'est ce que je disais à Lorden. Franchement, j'aurais Pex et j'aurais eu des meilleures attaques, j'aurais battu Lorden. Oh je pense, non. Hein. Oh non. Parce que j'ai une bonne team en vrai. Oh, quelle erreur! Et tu sais que c'est vraiment. J'ai eu sa pré-évolution. Vraiment, ça a été mon dernier ref. Oh, quelle erreur! Oh! Ah, yes! Allez! Bon, bah, Brazegali qui devrait crever. Brazegali qui va décéder. Geek et Wiffle malin avec son Star Wars. Mais moi, si bien. Autant qu'il y a un gagnant, quoi. Pharaon, pièce! Quoi? Bah oui. Quoi? Mais pourquoi je peux pas réutiliser la même attaque? Ça c'est parce que c'est mon talent. Ah. Ah il me tue. Oh, cette chance que t'as eu. Mais quoi Tekdo? Franchement si t'as gagné j'ai la haine. Oh c'est bon j'ai gagné. Ah mais j'arrête pas de me... Ce Karatroc là, bah du coup c'est égalité. Bah c'est égalité. C'est pas génial ça. C'est égalité parfaite en fait. Et pour qui j'avais ça comme votre Pokémon? Ouais j'avoue, montre-moi. Kangourex, c'est intéressant. Je suis blasé. Pyroli, oh Pyroli c'était pas mal ça. Mais Toxapex j'ai vu. C'est celui qui m'a... C'était ton last là, Yelmega? Ouais c'était mon last. Okay, mais en fait, franchement, c'est juste que j'ai voulu te montrer ta méga, mais j'aurais pu vraiment jouer méchant et te faire hydrocanon avec Staros quoi. J'ai fait full merde en même temps. T'as vu comment j'ai balancé mon Chespin au pif? Techniquement, j'ai éclaté Pouki plus vite que toi, Alex. Enfin, Ah, techniquement, oui. Mais au pif, il y a égalité. J'ai balancé mon Chespin complètement au pif. J'aurais pas dû. Y'a pas de technique. Bon, si ça vous a plu, dites-nous-le en commentaire et au pire, on le refera, mais avec plus 2 cette fois. C'est vrai qu'on s'est pris un peu à l'arrache et du coup, on avait que 10 œufs par personne. Mais si le concept vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis on peut refaire un tous les 3. Et désolé, franchement, désolé, j'aurais pu gagner contre eux, mais c'est vraiment que j'ai pas eu le temps de pex à cause de ma connexion. Je m'en excuse pour vous. Vous n'avez pas vu un beau spectacle par ma faute. Je suis déçu, mec. Tiens, pour la peine. Bah après, moi, au final, dans mon épisode, il y a également un Manaphy. Bah ouais. Bah tiens, pour la peine, toi aussi. Franchement, ça va quoi, je me mets bien.
Oh, je vais mourir. Mais arrête, yes, c'est ma nouvelle armure. Mais en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas du coup à vous abonner aux chaînes de Lordon et Pookie qui seront en description. N'hésitez pas à lâcher un maximum de j'aime, de commentaires, des pseudos pour les Pokémon, notamment pour Heatran que j'ai capturé personnellement dans cet épisode. N'hésitez pas à du coup, comment tu les niques là ? Non, mais c'est juste que j'ai pris de l'avance, je les capturais en avance. En fait, c'est qui ? Nous on se dit à bientôt, normalement à mercredi. C'était le dernier épisode que j'ai tourné en avance, donc on se retrouvera normalement mercredi pour le prochain épisode. Allez, ciao 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 ciao, allez salut.